allez bien? Est-ce que vous êtes chaud pour un petit tournoi Rocky Gamer? Aujourd'hui, on va jouer à Fruit Connect. C'est un jeu super cool, vous allez voir. Déjà, il y a deux modes différents. Mode normal et mode élimination. Dans les deux modes, le but est le même. Faire le plus de points possible. Pour faire les points, il faut récupérer les fruits. Il y en a plein de différents. Mais quand on récupère les mêmes fruits à la suite, on gagne un bonus de points qui permet d'augmenter encore plus son score. Vous voyez, là, par exemple, je prends les mêmes fruits et je gagne 10 points, puis 15, puis 25. Et quand je change de fruits, ça repart à 10. Et quand on va sur les cases bombes, on a aussi un bonus. Bref, ça vous paraît peut-être un peu compliqué au début, le comptage des points, mais vous allez vite comprendre en jouant. En gros, il y a des fruits, et il faut faire des connexions en récupérant des suites de fruits. Et c'est pour ça que ça s'appelle Fruit Connect. Et alors, il y a un truc auquel il faut faire très attention, c'est que certaines cases disparaissent. Et là, attention à la chute. En mode normal, tu perds juste du temps, le temps qu'on te remonte. Mais en mode élimination, si tu tombes, t'es éliminé. Pas cool, quoi. Oh là là. Ah, bon bah voilà, hein. Je pense que tout le monde a compris, pas vrai? On va pouvoir commencer. Vous êtes ready, les amigos? Let's go! On va commencer par un mode élimination. On rentre direct dans le game, il y a notre score juste au-dessus de notre tête et en haut de l'écran, c'est le temps qui nous reste avant la fin de la partie. Alors, je vais commencer à amasser les fruits, moi. Des oranges, ouais, des poires, des raisins, des oranges... Banane. Bon, et aussi les amigos, un truc important, Belgium sera souvent le premier, parce que sans le savoir, il a acheté un boost qui le fait sauter super haut. Donc il a un vrai avantage qu'on n'avait pas autorisé pour le tournoi. Donc on comptera pas ses points, mais c'est pas grave. Oh là là, il y a Chocolat qui est déjà éliminé, il faut faire super gaffe, hein. Oh non, c'est pas vrai, Lily aussi. Oh, mais comment c'est possible, t'avais un super ressort pourtant. Bon, moi je suis pas trop mal, les amigos, hein. Là, je suis presque à 1500 points. Le secret, c'est vraiment de faire des connexions entre les fruits. Ça permet de faire des scores de malade à chaque fois, truc de fou. Bon. Coucou Belgium, tu vas bien? Eh, franchement, il est super stylé, ton équipement. Il est entouré de feu, on dirait une torche. Bon, il reste moins d'une minute trente, et j'arrive pas à savoir combien de personnes il reste. C'est dur de tout voir, les amigos, hein. Eh, salut, coucou Ena, bon courage pour tenir jusqu'à la fin, hein. Hop là, des petites oranges, hop, hop, hop. Oh non. Oh, il y a quelqu'un qui est tombé juste devant moi, là. Oh, c'est Cookie. Pas trop dur la chute. Par contre, regardez-moi la connexion que je viens de faire. Plus de 385 points d'un coup. C'est un truc de dingue. Il y a Anis qui vient de tomber. Oh my god, c'est chaud, hein. Ouais, tout le monde est pas mal, là. Hop, on continue. Des oranges. Wouh, des petits jumps. Ouah, 220, impressionnant. Il y a Louise qui est retombée. Et Lily aussi. Il y a Ads, c'est Anis comme d'habitude. Wouh. Oh my god, c'est chaud, hein, tout le monde a du mal, là. En même temps, il y a tellement de cases qui disparaissent et réapparaissent, c'est impossible de tout prévoir. Il faut être méga vigilant, quoi. Ah, oh non, Mali. Oh, elle est tombée juste devant moi, Mali Sou. Est-ce qu'elle a réussi à se rattraper? Non, 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 elle est éliminée. Bon, alors, on en est où au niveau des joueurs restants? Ah bah, il reste Ena et Belgium. Mais bon, comme je vous ai dit au début du tournoi, Belgium, il a des boosts trop forts pour nous. Donc lui, ça peut pas compter. Allez, il nous reste plus que 10 petites secondes. On va savoir qui a gagné. Ah, what? Waouh, mais c'est méga cool, ça! Il y a le classement pour chaque personne avec leur nombre de points exact. Choco 9e avec 505 points, Lily 8e avec 1285, elle est vraiment moins forte que moi, hein. Ensuite il y a Cookie 7e, yeah, trop forte. Là c'est Anis, ouais, Louise, ouh, Malissou avec 5235, c'est vraiment pas mal, hein. Belgium avec ses 5800 points, et Rocky 2e 6600. Ah, oh, mais je crois pas, je suis 2e. Ah, mais du coup, c'est qui a gagné? C'est... Ena! 8645 points! Mais quel truc de fou! Bravo à toi, Ena! Regardez ma pile de fruits! Et cette petite pile de fruits, on la donne à manger au roi singe! Et ça permet d'avoir de l'expérience et de débloquer des danses un peu marrantes! J'adore! Bon, allez, on s'y remet, let's go, je suis à fond. Il y a Lily et Belgium autour de moi, ils sont vraiment trop stylés avec le feu. Waouh! Et le ressort autour de leur skin, je vois Ena là-bas aussi, mais je pense que je vais suivre Malissou. Ouais, elle s'était super bien débrouillée la dernière fois. Oula, c'est pas facile, hein, elle passe par des chemins super compliqués. Oh, j'ai trop peur de tomber, moi. Il faut vraiment sauter au bon moment. Bon, par contre, à force de suivre le jeu, je récupère pas beaucoup de fruits, hein. Ouais, peut-être que je commence à m'y mettre. Moins de 200, c'est quand même pas dingue, hein. Ah, what? Non, mais... Malissou, t'es sérieuse? T'as déjà 700 points et c'est dingue! Oh, c'est la loose, comment tu fais pour avoir le truc vert autour de ton skin? Moi aussi je le veux!
Oh. Hey, coucou Louise, tu vas bien? Ah bah génial, elle est déjà partie. Bon, je vais arrêter de suivre Malizou, moi. Elle ne me laisse aucun fruit. Allez, je vais du côté d'Anis. Coucou Adriane. Hey, vous en êtes où, vous? What? Plus de 2000 points? Mais c'est un truc de fou. Et attention, Adriane va peut-être tomber. Oh, ce serait terrible. Non, reviens, non. Non. Oh, il vient de tomber pour de bon. Il est parti. Oh, cruel. Bon, bah, je vais chiller avec Ella maintenant. Allez. Oh, yeah. Je vais arrêter de comparer les scores parce que à chaque fois, ils sont plus dingues que ceux d'avant. 3000 points, vous vous rendez compte? 75 secondes. Je vais peut-être le temps de rattraper mon retard. Même les Limbas, c'est vraiment pas juste. Pourquoi j'ai pas un ressort comme elle, moi? Eh oh, Belgium, tu veux bien passer ton amélioration, hein? J'en ai besoin. Ah! Oh non, j'y crois pas, je suis tombé, là, les amigos. C'est déjà la fin pour Rocky, non? Il faut que je m'en sorte. Ah, oh, ça va pas être facile de suivre en regardant d'en haut, je suis vraiment trop loin. Bon, allez, bon courage, tout le monde! Alors, qu'est-ce que ça va donner niveau classement? Moi, je suis 8e, c'était prévisible. Ah, Adriane est 7e, avec 2720 points, bien joué. Et Malizou, 6e, 2910, yeah! Lily a super bien géré, elle a 5375 points, t'es trop forte hein Lily. Louise, énorme, 5670. Ouais, il y a Anis qui est 3e avec 6320. Et bravo à Belgium pour tes 6515 points. Et enfin, eh oui, and c'est encore is... Ena qui gagne, trop forte, 6800 points. C'était vraiment super serré. Oh, oh, je le crois pas. Elle vient de tomber. C'est la joie de la victoire, sans doute. Maintenant, je vais vous montrer la dernière partie qu'on a faite. Adriane Louise était juste à côté de moi. Et on va checker le classement final tout de suite. Et moi, j'ai plus de 8000 points. Alors, Lily, 570 points. Qu'est-ce qui s'est passé? T'es super forte d'habitude, ma Lily. 7e, Malizou, bien joué. Pas mal. Anis, maintenant, 3480 points. Ouh. Eh ben alors, Ena, 5e. Bon, allez, c'est quand même pas mal, 5600 points. What? Louise, elle a fait 6410 points. Belgium, 3e. Ensuite, Adriane, 6605 points. Et enfin, avec 8800 points, le seul, l'unique, le magnifique, Rocky. Yeah, mais on me voit pas, je suis juste là derrière. Il y a Adriane qui me cachait. attends, arrête de me cacher. C'est bon, là, on voit un peu mieux. Bon, en tout cas, c'était trop cool, les amigos. Bravo à Tentiaro, alias Ena, c'est toi qui gagne le tournoi. Bravo aussi à Louise qui a fait 2 victoires, quand même. Et merci à tous les participants, on s'est super bien amusés. Et on se retrouve vite, les amigos. J'ai trop hâte de vous montrer le prochain jeu auquel on va jouer. Tchuss. Alors, qu'est-ce que je vais faire, moi, maintenant? Plein de jeux, tiens.